ceux qui jugent ces graphismes là. Non. Ouh, une épée. Ouh. Une épée, un sabre laser, en fait. One shot. Oh oh oh. Là en fait j'ai fait le double. Ça lance des... ça lance un étrou, un écrou. Et j'ai récupéré une épée ancienne. J'ai vu un cœur tout à l'heure. C'est quoi ça? Je m'en fous. Putain. Non. Il n'y a plus d'armure, hein. Tant mieux. Fuck les armures au bout d'un moment, ça m'a fait perdre une vie. D'ailleurs, il me semble que j'en ai perdu qu'une seule. Ah bah, apparemment, on va peut-être avoir accès à un skill qui va permettre de sauter plus haut. J'ai bien dit apparemment. Prochain épisode, on se retrouvera pour les os, les amis. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Angelica, on se retrouve sur Maximo. Sur notre partie, nous sommes qu'à 20%. Je suis assez étonné, mais ça va finalement en fait, en quelques épisodes. Si je m'abuse, nous sommes à l'épisode 6 ou 7, 5 ou 6, il me semble. Alors, franchement, 20% déjà, c'est. Faut juste que je m'y mette un truc fou à fond. Alors, ça fait longtemps que j'y ai pas joué justement. En parlant de se mettre à fond, alors la fontaine elle est là, hein. Je vous mettrai peut-être au début de l'épisode un petit truc, un petit résumé sympathique, en espérant qu'il vous plaise. Je vais mettre qu'un résumé, hein. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir, il s'est passé quelque chose de ouf. Alors quand je me protège, j'ai pas encore le pouvoir de récupérer les trucs de loin. Du coup, je ne peux pas pouvoir récupérer le diamant qui était là-bas. Ah, la salope. Ouh là là. Attendez 2 secondes, je règle le son. Voilà, c'est mieux. Ouh. Alors ça me fait peur, personnellement, parce que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah merde, j'ai... En plus c'est des ennemis basiques, faut juste que je fasse gaffe à ceux qui lancent leur hache et les autres méchants. Toi t'es un méchant, voilà. Deux attaques puissantes. Faudrait que je regarde comment on fait pour... Ah mais merde. Comment on fait pour... Ah c'est l'être. Vous savez abandonner les trésors de la sorcière au cimetière, mais comment estimer la valeur détenue par un simple baiser? Bah ça vaut rien du tout en fait, merci. Je sais pas en fait ce que ça donne de plus, mais ça se trouve ça donne un avantage. Comme un atout on va dire, mais je ne sais pas en fait, c'est caché. Alors ça c'est un combo, coup du chaos avec une magie d'épée, coup puissant. Ouais, c'est faire une attaque puissante. Ah ah, une magie d'épée. Ah oui, ça lance un écrou quand je fais deux attaques puissantes comme ça. Lancer votre bouclier, oui, il me semble que ça gâche un peu l'armure du bouclier, alors je vais pas le faire, je vais le faire dans les moments utiles. Et votre barre d'armure a augmenté, logiquement augmenté. Bon, là je le vois pas parce que j'ai pas d'armure, mais j'ai combien de pièces d'abord? 328 pièces, si je trouve un truc, genre une armure, je le fais tranquille. Alors je vais faire les os. Nous sommes déjà qu'à 2 minutes 33, 43 avec sûrement un petit résumé au début de l'épisode. Alors je sais pas, à mon avis, c'est chelou l'eau noire. Non, c'est chelou le noir, j'ai peur de mourir. Non, ça va, apparemment ça va. Allez, oh merde. Ah d'accord, faut pas que je saute dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Oulala, toi tu me fais pas peur. Bitch. Oh, merci pour la potion, j'en avais fortement besoin. Bouclier en argent. 160. On le prend ou pas? Allez, on va se faire arnaquer. Oh, merde, c'est de la merde. Fais chier. Alors maintenant j'ai compris la technique du bouclier, enfin... Je ne coule pas apparemment. Je ne coule pas.
Par contre, les ennemis, les zombies sont plus rapides que moi. Et ça, c'est un éventuel problème. Alors, faut pas que je saute, sinon je pense que je m'enfonce. C'est juste magique comment on change de décor, comment on change de choses. Alors, ouais, après, c'est sûr, c'est de la PS2. Hein. On voit bien que les plantes, c'est du 2D, on dirait. Ah voilà, c'est bizarre. Oh, il y a une armure là-bas, c'est nickel. Et ça, c'est quoi? Ah oui, je vais pouvoir respawn grâce à ça. Ce que je viens de récupérer, c'est une pièce de la mort, un truc comme ça. Et ça va me permettre de, justement, de pouvoir respawner, enfin, de pouvoir vivre, si je peux le dire. Parce que, jusqu'à présent, à partir du moment où je mourais, je ne pouvais plus revivre. C'est-à-dire que je suis obligé de recommencer le jeu à zéro. Même si j'ai sauvegardé. Oulala, oulala, le bug. Voilà, alors j'ai obtenu un truc encore. Oh yeah! Attendons, attention, on va regarder. Ceci augmente la distance à laquelle peuvent être lancés. Nécessite un bouclier et la capacité bouclier bourrin. Ok, ça lance beaucoup plus loin le bouclier en fait. Alors j'ai envie de tester un truc. Alors non, ça ne récupère pas les armures. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Il y a un truc dans l'eau. J'aurais pas dû fuir. C'est entièrement de ma faute. Je savais. Ah la salope. On fuit. C'est bon, c'est de l'argent. C'est les coffres peuvent être piégés. Désolé du bug. Bon allez, je vais y aller plus rapidement. Là, nous sommes déjà à 5 minutes de gameplay. Parce que j'ai pris un espèce de chrono sur le monde là. C'est la même moi qui me permet d'arbitrer mes matchs. Alors ça, faut que je fasse un coup par un coup, sinon ça le fait avancer. Ouh là là. Bref, là, à mon avis, ça va être dur de remonter si je tombe dans l'eau. Oh la salope. Il peut monter ou pas? Bref, je m'en fous de toi en fait. Beach checkpoint. Alors ça va me permettre de sauvegarder. Apparemment. Ah si, il peut remonter apparemment. Allez, on va voir. On prend des risques de toute manière. Voilà, on peut remonter ici normalement. Ouais, nickel. Au moins on sait qu'on peut remonter. Ça me fait déjà moins peur parce que les moments où on doit sauter, ça me fait mais absolument flipper. Alors apparemment on va pouvoir monter, enfin j'ai essayé de récupérer le maximum de cœur, des choses comme ça. Alors il y a un truc, un espèce de bouclier, un espèce de masque. Vaut mieux pas que je tombe en fait là, si. Ah si, on va voir si les zombies. Ah là ça va, et puis il m'a enchaîné deux coups. J'ai l'impression que je pourrais pas. Ah ah. Je vais monter en haut. Il y a une espèce de truc bizarre. Oh bah on n'hésite pas, on n'hésite pas. Oh ça me perd. Bah je l'ai déjà je crois ce truc. Là je vais utiliser mon bouclier, peut-être que c'est... Ouh c'est classe ce que je vais me faire. Avouez c'est classe. Je peps du cochon. Alors là je vais essayer de choper. Yeah. Un masque, allez. Oh ça déchire, là on gère du cochon les amis. Malgré que j'ai pris quelques coups. Le porteur du masque détiendra temporairement le pouvoir des puits torrides du monde souterrain. Bien que son porteur ne possède une arme meurtrière, le pouvoir du masque ne peut être utilisé contre un boss. Il nécessite l'armure maximale. Alors, je sais pas si j'ai forcément l'armure maximale. Non, je pense pas à mon avis. Bref, c'est parti, alors on va aller là-bas. Je détruis toi parce que tu me donnes une pièce. Pour préciser, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les anciens épisodes et qui ont la flemme, il faut tout le temps avoir 100 pièces d'or pour sauvegarder. Sauvegarder une fois, il faut avoir 100 pièces d'or, c'est ça le truc. Yeah, je te détruis. C'était prévisible. Hein, yeah, 5, 6 vies. La vache, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors
trois coups à chaque fois. Oulala, la salope. Elle fait mal, je crois, la plante. Hein. Oulala, oulala, je vais éviter de m'empoisonner ou je sais pas quoi. Je m'évade, 2 secondes. Ouh, yeah. Dommage, j'aurais eu la potion quelques secondes plus tôt, ça aurait été parfait. Je sais pas s'il y avait un truc à récupérer. Non, apparemment. Allez, c'est parti, on continue les amis. C'est vraiment des niveaux que j'aime bien, moi. Je kiffe pas mal ce jeu, je trouve. Je regarde ce qu'il y a là. Je regarde ce qu'il y a par terre, s'il y a un cœur ou un truc comme ça. Apparemment, non. Je pourrais récupérer ce truc là-bas, mais ça me fait peur qu'il y ait des zombies. Apparemment, je peux pas monter par là, alors faut faire gaffe. On retourne en arrière. Hop, on met la caméra en avant. Alors, une 5 est suivie. Oui, on peut monter. C'est cool, c'est good. 9 minutes 50. C'est cool d'avoir un chronomètre. On va voir si ça coule. Oui, ça coule. Merci. Alors moi, j'en suis sûr. Hop, hop. Je crois que je me suis... Bah, c'est pas grave, je vais faire un truc. Je crois que je ne peux plus revenir en arrière. Bon, bah, allez, je vais passer par là. Je veux pas me prendre la tête. Ça prendra que quelques secondes. Yeah. Faut que je fasse gaffe un peu. Yeah. J'aime pas les petits rampants comme ça. À chaque fois, ils surprennent. Alors, ça va permettre de lancer le bouclier plus loin. Ça, je le sais. Ah, merde. C'est bon, je peux remonter ici. C'est une bonne nouvelle. Heureusement qu'il n'y a plus les crocodiles qu'on avait dans l'épisode précédent. Parce que c'était juste un carnage. Oh la vache! Crève, salope! Putain, je suis très mal parti, là. Il y a un checkpoint là-bas. Ouh! Oh non, j'aime pas! Oh. On reste dans l'eau. Je vais revenir normal. Oui, alors j'ai perdu tout, mais voilà, je suis en caleçon. Un espèce de magicien qui est venu là, je crois qu'il est parti, hein, parce que en général, les magiciens, ils partent. C'est chiant ça, les magiciens, je les déteste. Salut. Ne me tue pas, please. Ah, voilà, c'est là. C'est galère, c'est galère. On prend notre temps et en plus, on se fait niquer. C'est ça le truc. Enfin, pas vous, mais... Je crois que le magicien est parti pour de vrai. Je vais quand même foncer à gauche pour être sûr et certain. Voilà, le magicien est parti, il m'a juste défoncé, un truc de malade. Pour l'instant, j'ai croisé que 2 magiciens et ils m'ont fait perdre de vie. Ah, celui-là, il m'a pas fait perdre de vie, tant mieux, j'ai envie de dire. Non, faut pas que je tombe, parce que c'est chiant de tomber. C'est quoi qui est par terre? Je l'ai déjà. Pas la peine. Je sais pas si ça me donnait une armure, il me semble pas. Ouais, je l'ai toujours de manière le truc. Oula, faut que je fasse ça. Bitch! Donne-moi tes 3 pièces. Alors là, ça fait peur. Les traits. Parce que apparemment, on pourra pas remonter. À chaque fois, je serais tenté de prendre le risque, mais. On va voir déjà ce qu'il y a là-bas. Toi, je t'aime pas, t'es de salope. Yeah. Allez, on utilise la clé qu'on avait chopée dans un épisode précédent. Yeah, une armure. Alors là-bas, c'est juste. Ah, d'accord, c'est juste pour la clé. Bah, tant mieux parce que j'avais déjà une clé en stock. Ah, ça, c'est cool. Yup. Attention. Je me méfie un peu de ce genre d'endroit. Salope, t'es tombé, je crois. Ouais. Alors lui, il va me lancer sa hache. Bitch. T'es morte en moins.
Allez, on retourne en arrière, apparemment. Enfin, je pense que le mec va respawn. Ah, il est toujours là. Bitch. Ah, salope. Ah, bah, ça m'a donné une armure. Bah, c'est pas grave pour tout à l'heure, en fait. Hein. La prochaine fois, je le prendrai. Bon, ça... En fait, j'ai quand même bien joué, puis au final, je l'ai toujours. Et c'est nickel, ça, apparemment... Ah, il y a un petit cœur là-bas, je vais le récupérer. Je risque sûrement de me faire taper par des monstres chemin, parce que... Pourquoi ça ne serait pas piégé? Bon, alors, décidément, on me prend pour un con. Ah, j'aime pas, lui. J'aime pas le fantôme. Reviens, salope. Là-bas, je peux aller là-bas. Je vais y aller. Je sais pas toujours, je sais toujours pas à quoi ça sert les armes. Allez hop, crève salope. Je t'ai pas dit de vivre. Je sais pas, je sais toujours pas à quoi ça sert les armes. Alors ça, franchement, l'armure, on va dire what the fuck. Je suis sûr, la gueule va se refermer, ça va me faire mal. Ah non, bah. Cool. Hey, ça m'a donné une armure en plus. Oh, c'est cool. Je suis très bien parti là. Très très très. 15 minutes, ça va. Parce qu'en fait, sur mon PC, j'ai 18 minutes. Je sais pas pourquoi. Apparemment, ça coule pas. Ouais, bah c'est cool. Jeu de mots. J'ai pas fait ça. Il y a ça qui coule. Voilà. Hey, qu'est-ce que t'as? Moi, je suis une racaille de banlieue. Et je suis pas mort une seule fois depuis le début. Ça, c'est cool. C'est peut-être un record, je sais pas. Mais c'est cool. On récupère un peu de dame. Comme ça, j'en ai deux. J'ai vu un fantôme derrière moi. Hier, yeah, salope. Alors, il a fait tomber un truc. Je l'avais déjà, dommage. Alors, je vais essayer de récupérer quand même le petit diamant. Ah, merde. Il y a un petit point là-bas que j'ai pas... J'ai dû louper. Je vais quand même le prendre au cas où. Ouais, y'a un checkpoint que j'ai loupé. Ah bah c'est pas grave pour le diamant, en fait on s'en fout. Je crois que j'ai 284 pièces d'or. C'est nickel. Ouais, mais pour récupérer le checkpoint, faut déjà que je passe par la gueule du truc. C'est assez galère, c'est assez galère. On prend notre temps, n'empêche. Hein, c'est surtout ça le... Tu crèves. Voilà, je t'aime pas. Moi, j'ai pas de pitié. Je suis un sans pitié. Je sais plus c'était dans quoi, sans pitié. Ah, quel outil. Oui. Hop, allez, c'est parti, les amis. On rush un peu. On s'en fout de quelques pièces d'or, on va dire. Même si c'est très important. Je vais pas... voilà, c'est... Je serais tout seul, je les aurais pris, mais je suis en vidéo, il faut pas que je perde autant de temps quand même. D'ailleurs, j'ai presque plus le bouclier. Ah ouais, ça c'est très gênant parce que le bouclier il est super important, surtout à la fin, parce qu'à la fin il y a une espèce de... Il y a une horde de zombies. Ah merde! Je retourne en arrière. Je peux pas monter par là, j'imagine? Non. Hop, crève salope. Crie mon nom, salope! Allez. Faut que j'évite de tomber comme un gogol. Oh hier, j'ai une épée de magie. J'ai une épée magique là. Épée magique. Ouh là là. Oh la salope. J'ai lancé en fait, bah, vous l'avez sûrement vu, hein, mais j'ai lancé, j'évite de le faire pour éviter de gâcher en haut à gauche mon nombre de coups avec l'épée en feu. Parce que c'est pas illimité. Ah ça c'est cool, je sais pas si c'était forcément... Si ça le faisait forcément. Alors... Je prends le risque ou pas? Non, je peux pas prendre le risque, ça va perdre trop de temps à la vidéo parce que je sais que je vais me fail quoi. Oh la salope. Hop. J'ai déjà plus d'épée en feu tellement j'ai utilisé l'écrou et tout.
Merde. Oula, c'est quoi ça? Une épée. Oula là. Hop. Oh, regarde tout de suite. La lame de votre épée a grandi de façon magique, vous donnant plus de portée. Oh, c'est cool. Ah, par contre, je peux pas l'avoir deux fois. Du coup, j'ai une plus grosse portée et je suis à la fin du jeu. Enfin, à la fin du niveau. Hop, on retourne en arrière, on retourne en arrière. On prend pas de risque. Oh la salope. Je l'ai bien vu. Hein. Yeah, j'ai fini le niveau. En à peine 20 minutes, franchement, je suis fier de moi. Enfin, un épisode qui sera pas trop long. Avec une épée. Oh là là, j'ai eu vachement de choses dans cet épisode. Je vais éviter de trop rester ici pour éviter de perdre de la vie. J'ai combien? J'ai 338 pièces d'or, je vais pouvoir sauvegarder. C'est nickel les amis, hop. À mon avis, 75%, allez. Soyons fous. À 65. C'est ça en général ce que je fais. J'ai terminé 32%, j'ai pris 12%. C'est pas mal. Je vais pas le faire à 100%, pas avec tous les joyaux, tous les trucs, mais je vais quand même... Oula. J'ai 5 coups à perdre une chose. Je retourne là parce que, en fait... Voilà, super. En plus, j'ai même plus de bouclier. Ouh, une épée en feu par contre. Ça a activé l'écrou, oui. Ouais. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, enfin, un super épisode. Peut-être que je vous en retournerai un. Ah, la salope. C'est à mon avis, apparemment, il y aura un skill qui permettra de sauter plus haut. Mais à mon avis, je vous referai un autre épisode dans la semaine parce que bah, j'ai bien aimé. Et à mon avis, bah, ça va être cool. Ça va être good pour la suite. Alors, il me semble qu'il me reste encore une chose. Machin comme ça, là. Un niveau avant le boss. Et ça, c'est bon. Allez. Je vais éviter de m'attaquer à tout le monde. Je vais à la bassine. À la bassine, oui. À la bassine. Bassin de... Je sais pas quoi. Je sais plus, en fait. À la source d'eau, je sais pas quoi. Voilà. Je vais voir deux secondes. Sans coin pour sauvegarder ou voyager. Allez. Bah, apparemment ils disent pas. Alors le cimetière, c'est ce qu'on avait fait il y a quelques épisodes. Sauvegarder la partie carré. Yeah. Bon voilà, sur ce les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé personnellement. Hein, et bah, je vous retrouve pour d'autres épisodes en compagnie de Maximo. Tchuss.